Hello tout le monde, je vais vous présenter tous mes jeux 3DS. C'est parti! On va commencer avec un des meilleurs, Pac-Man 3D, sur 3DS. Donc Pac-Man et les aventures de Fantôme. Donc lui j'y ai joué, il est super. Et j'ai aussi un autre Pac-Man. Sur 3DS toujours. Alors celui-là par contre je ne l'ai pas testé. Je vais faire voir un peu les images. J'ai Sega 3D Classic Collection. Il y en a que je connais, il y a le Sonic. Voilà, c'est des petites compiles quoi en gros. Voilà, le Sonic ça je connais, hein, classique. Et les autres par contre, bah je connais pas. Faudrait que je teste ce jeu qui a l'air super. J'ai Sonic Generations. Donc tous mes jeux sont complets, hein. Je filme toujours avec mon autre main, donc du coup je peux pas vous faire voir l'intérieur, mais je vous garantis qu'ils sont tous complets. Donc les Sonic, hein, toujours aussi top. Celui-là, je l'ai eu il y a pas longtemps dans un vide-grenier. Donc j'aurais préféré une version sans que ce soit Nintendo Select, mais bon. Par contre, celui-là n'est pas complet, il n'y avait pas la notice dedans. Mais sinon, tous les autres, ils sont complets. Donc là, j'ai Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Londres 2012. J'ai Mario et Luigi Superstar Saga. Ah, je ne l'ai pas testé. J'ai un autre Mario et Luigi. 3DS toujours. Donc pareil, je l'ai pas testé. Les deux, je les connais pas en fait. Un autre jeu Mario. J'ai aussi Mario Tennis Open. J'ai beaucoup joué à Mario Tennis sur GameCube, mais alors sur 3DS. Je sais même plus si je l'ai testé celui-là. Il est un petit peu abîmé vers le haut là. Voilà, mais les Mario généralement hein, c'est du bon. J'ai Mario Golf World Tour. Que je n'ai pas testé. En vrai, au golf, j'y ai joué qu'une fois en vrai. Mais en jeu vidéo, bon voilà. Je crois que j'y avais joué sur Wii. Mais je sais plus c'était quel jeu par contre. J'ai un Super Mario 3D Land. Donc ça, c'est plus les jeux de plateforme hein, comme j'aime. Voilà, super. Alors celui-là c'est le meilleur je pense hein. Voilà. Super Mario Bros 2. Il est juste un petit peu abîmé au dos. J'ai Hey Pikmin. Mais bon je l'ai pas testé, je sais pas si c'est un bon jeu. J'ai toujours pas d'amiibo, j'en ai zéro. Par contre, j'ai le petit appareil là, le petit appareil blanc pour les amiibo, mais j'ai aucun amiibo. Ce que vous voyez là, il y a le petit. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en tester un jour. Pour le moment, j'en ai pas. Bon, après, le jeu, on peut y jouer sans amiibo, hein. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai un jeu pour apprendre l'anglais, mais alors là, c'est vraiment
du niveau très facile, hein, parce que vous voyez là, c'est pour enfants quoi, pour les petits. Ça doit être niveau primaire, je pense, c'est pas indiqué. Volume 3, jusqu'à 12 ans, ouais, oh, bah oui, c'est facile ça. C'est les bases quoi. J'ai Corby. Très bon état. Je l'ai pas testé. Et généralement les Corby. Généralement les Corby, ça fait partie des meilleurs jeux. J'ai un Animal Crossing Happy Home Designer. Donc je suis pas fan de Animal Crossing, mais ce jeu-là, étonnamment. Eh ben, je l'aime bien. J'ai Mickey Power of Illusion. Mais pareil, je l'ai pas testé. Il m'a l'air pas mal. J'ai aussi Spider-Man que je n'ai pas testé. Voilà. Et j'ai un super jeu là qui me vient à la main. Docteur Kawashima. J'adore ce jeu. Ouais, c'est un petit peu prise de tête des fois aussi. Voilà. J'aime bien ces jeux éducatifs comme ça là. Je trouve ça sympa. Bah, le mieux, c'est celui qui est sur la Switch. Hein. De toute façon, tout ce qu'il y a sur la Switch, ça donne plus envie que sur la DS. Enfin, après, c'est une impression personnelle. Hein. J'ai aussi Yokai Watch, Esprit Farceur, sur 3DS. J'ai aussi celui-là. Je sais plus c'est lequel que j'avais testé, j'en avais testé un sur les deux. Je sais plus c'était lequel. Donc là c'est Phantom Goofy. Ouais, apparemment ça ressemble un peu à Pokémon, mais voilà quoi, c'est pas. Je préfère Pokémon, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, faudrait que j'y joue un peu plus parce que je m'en rappelle plus trop. Je l'avais testé il y a longtemps, mais je sais plus si c'était lequel. J'avais vu l'animé aussi, mais j'accroche pas trop. Hein. Après, je crois que j'avais. Ouais, j'avais vu que le tout premier épisode en fait. Donc voilà. Tandis que Pokémon, le tout premier épisode que j'ai vu, hop, ça m'a donné envie de poursuivre. Mais Yokai Watch, je sais pas, c'est pas. Voilà, je préfère encore Digimon. Hein. J'ai aussi tous mes jeux 3DS Pokémon que je vous invite à regarder. Dans ma vidéo spéciale jeu Pokémon. Et voilà les amis, je vous ai présenté tous mes jeux 3DS. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des likes. Mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.